Noël pour nous a eu lieu avec une semaine d'avance, quand Cécile est passée à la télévision. La vie de Germain. Germain, le cadeau des cadeaux. Ça ne va pas fort pour la poison. Jean-Marc est malade, très. Il va crever ? Il ne faut jamais perdre espoir. Papa a beau dire, on sait tous que c'est fichu. J'aime un homme, il est peintre. Il s'appelle Pierre. Je pensais à toi. Tu m'as manqué. C'était merveilleux. Claire s'est barrée. Il faut dire que papa lui avait donné un ultimatum. Mais tu ne vas quand même pas rester dans ton lit toute ta vie! Aux dernières nouvelles, Bernadette aurait retrouvé sa trace. Tout le monde t'attend. Oh, c'est ça. Merci. Se barrer comme ça, sans laisser d'adresse, d'un endroit où on a été toute sa vie nourri, logé et aimé gratis, bravo! Moi, je sais pas, j'aurais dit au moins au revoir et merci. En tout cas, je te signale que t'as gagné. T'as passé le crasse sur toute la ligne. Tu vas pouvoir glander jusqu'à perpète sans qu'on te dise rien. Mais si tu veux savoir, on a crevé de trouille, ma vieille. Toi, chapeau. Pour l'équitation, il n'y a pas grand espoir. Mais côté détective, tu t'es montré un chef. C'est pas pour ça que je vais m'aplatir devant tes parents. Hein. J'ai jamais forcé personne à m'aimer, moi. Sans toi, ma vieille, que tu le veuilles ou non, la maison, c'était plus ça. Faut pas avoir peur, mon petit. Avec la mine que vous avez, ça doit pas être bien grave. Et il est gentil, le docteur, vous savez. Très doux, très compréhensif. Vous êtes déjà venu le consulter? Non, jamais. Bon, on va arrêter le traitement à la fin de la semaine, alors. Très bien. Mademoiselle, s'il vous plaît. Votre nom et votre adresse. Moreau. Pauline Moreau, la Marette.
Le docteur vous attend. Et n'oubliez pas vos radios. Entendu. Oui. Au revoir, madame. Je vais te parler. Eh bien, c'est toi. Je t'écoute. Voilà. J'ai rencontré quelqu'un. Et je voudrais que tu me donnes la pilule. Est-ce... ce quelqu'un... Il y a longtemps que tu le connais? Et... vous avez déjà... Pardonne-moi, Pauline, on a beau s'y être préparé, mais enfin, quand ça arrive à sa fille... T'as pas pensé que c'était un peu tôt? Je l'aime. Et lui? Lui aussi. Ah, j'espère qu'il te fait pas marcher, hein, parce que... C'est moi qui ai voulu. C'est moi qui ai commencé. Toi? Je t'ai pas vu grandir. Écoute-moi, l'amour, c'est peut-être ce qu'il y a de meilleur, si on ne le gaspille pas, si on attend celui qui vous veut tout entière, qu'on est prêt à prendre tout entier, et pas seulement pour l'épiderme. Sois difficile, Pauline, sois exigeante. Mijote, toi. Ne fais pas de conneries, please. Mais de quoi je me mêle? Occupe-toi de tes choses. Mais ça va pas, non? Mais t'es malade! Tiens, bouffe. Ah! Aïe! Je suis heureuse. Laisse ta mobilette ici, je t'emmène boire un verre. Mais je... Brigitte est rentrée hier. Elle est là-haut. Non, merci. Brigitte m'en veut? Non. Mais elle a compris que c'était important.
peux pas m'empêcher de t'aimer. Elle propose de s'effacer. Comment s'effacer? Elle ou toi? Le vieux choix. Sans larmes, sans rancœur. Et quand même le vieux choix. Je ne veux pas vous séparer. Je ne pourrais pas supporter de te perdre. Mais tu te brûles. Qu'est-ce qu'on va faire? Écoute. Si tu veux, quand tu auras 18 ans, je te prends avec moi. Demain. Tu répondras demain. Comment elle est? Elle a un grand cache-nez. Pauline! C'est Angèle. Elle avait envie de te connaître. On va l'emmener goûter? Je peux pas venir, j'ai rendez-vous. Tu crois pas que dans la ville, il y a quelquefois des priorités? Allez! T'as gardé ton manteau, t'as froid? Non, mais je resterai pas longtemps. Dans ses oreillons, Angèle a lu les quatre filles du docteur March. Ça lui a beaucoup plu. Tu lui as dit que chez vous, c'était pareil. Dans les filles du docteur March, il y a Jo, Beth, Marie et Amy. Et chez toi? Eh bien, chez nous, il y a Claire, Bernadette, moi et la poison. La poison violente? C'est ça. Mais elle s'appelle aussi Cécile. Et ton père, il est docteur aussi? Moi, je suis toute seule. Mais mon papa est peintre. Il fait la mer. Quand il peint, je vis avec lui. C'est moi qui porte ses pinceaux, les gros et les fins. Je m'assois sur un rocher. Vraiment qu'une salope! T'as volé un mec à sa femme! Oh, ils ne sont pas mariés! Mais alors qu'est-ce que ça change? Ils vivent ensemble, non? Je l'aime. C'est pas une excuse. Quand t'as senti que ça venait, il fallait te barrer. Et maintenant? Je ne sais pas. Moi, je sais. Tu voudrais tout garder. Ton peintre et la marette. Le petit nidouillet et l'aventure. Seulement, c'est pas possible et ça t'emmerde. Je ne veux pas. Les séparer. Mais les rendre malheureux, ça, pas de problème. Je l'aime. Tu ne comprends pas. Je l'aime. Alors debout, fais ta valise et vas-y. Moi, je me chargerai des parents. Après tout, t'es majeur dans 6 mois. Hier, si je ne suis pas venue, ce n'est pas de ma faute. Béatrice m'a emmené Angèle. Je sais, elle nous a raconté. Les quatre filles du docteur March. C'est drôle, j'avais pas pensé. Tu lui as beaucoup plu. Je t'ai proposé quelque chose de fou. Je te rendrai pas heureuse. Mais si. Ça m'est égal. Laisse-moi rester. Laisse-moi rester.
Tu te souviens quand je t'ai téléphoné l'autre soir pour te dire viens? Je le savais déjà. Je sentais. Et je suis venue. Je suis là. Ce soir, j'ai demandé à Brigitte de revenir. Bonjour, Pauline. Bonjour. Nicolas n'existe pas. Comment ? Je sors de chez la directrice. Elle a été catégorique. Pas de Nicolas dans la classe de Cécile. Tu veux dire qu'elle l'a inventé ? Et pourquoi ? Ça me paraît limpide. Nicolas a tous les droits. Il est toujours premier sans en fiche une rame. Bref, tout ce que voudrait être la poison. Allumer de la paix. Toutes les fillettes rêvent plus ou moins d'être des garçons. Mais... Si on rêve d'être un garçon, c'est pas pour le machin en plus, c'est pour avoir les mêmes droits qu'eux. Bien dit. En attendant, qu'est-ce qu'on fait? Attention, les voilà. C'est la course contre la montre chez Jean-Marc. Savoir qui va arriver en premier, l'héritier ou... Mais faut que tu y ailles! Ça va pas du tout! Je voudrais voir Pauline, si c'est possible. Pauline ? Oui, bien sûr, entrez. Pauline, c'est pour toi. Un peu de whisky? Non, merci. Non.
Et Germain? Depuis qu'il a gagné un concours à la télévision, il s'empâte. Je n'ai jamais bien su ce que c'était qu'une famille. C'est souvent la joie. On dit ça, mais... Il faut que je parte. Je t'ai venu dire au revoir à Pauline. L'exposition aux États-Unis s'est décidée si brusquement. Mais je crois qu'en fait, j'avais très envie de connaître la maison. La Californie. Je m'envolerai bien à votre place, savez-vous. Au revoir. Au revoir. Vous ne voulez vraiment pas rester dîner? Vraiment pas. On m'attend, merci. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir. J'ai quelque chose pour toi dans ma voiture. Je ne savais pas que tu avais une voiture. Je ne savais pas que tu aimais le whisky. Je ne savais rien. Sauf l'essentiel. Tu pars quand? Après-demain. C'est laquelle? Au deuxième étage. La petite fenêtre sous le toit. Je ne sais pas pourquoi les maisons s'envolent quand je les peins. Maintenant. Je verse. Je me disais, tant qu'il sera enfermé à clé dans mon tiroir, Jean-Marc aura sa chance. Tu vois celui-là, Jean-Marc ou pas Jean-Marc, dans 3 mois il fera des cerises. Et toi? Et moi? Tu seras majeur. Et si tu veux, tu pourras te barrer toi aussi. Ça vient, ça vient. C'est pas pour se faire de peine, mais ça commence sérieusement à faire couronne mortuaire. Tu vas pas le bateau quand tu souffleras les douches. Foutez-lui la paix, 18 ans, on les a pas 36 fois. Hey, même pas deux, hélas. Qu'est-ce que ça fait, la majorité? Pour l'instant, j'ai rien senti de particulier. Tu ne dis pas, hein, papa? Non. Oh, attends, tiens. Allez, vas-y. Allez. Attention. Allez, oh. Allez, les enfants, bonjour. C'est pas du jeu, je l'ai vu.
vu. Elle a fait exprès d'en laisser. Ah bon? Souffle pas le reste, le gâteau va sentir la cire. Oh, c'est mon gâteau, j'en fais ce que je veux. Tiens. Stéphane. Hé, hey, mangez pas tout, pensez aux copains, hein. Elle, les bougies. Qu'est-ce qu'on paraît qu'elle les aurait toutes soufflées d'un coup? Coupe en plus. C'est Tavernier. Bonjour les filles, le docteur est là? Ah, il cuve son champagne, c'est les 18 ans de Pauline. Bon anniversaire Pauline. Grosso modo, j'ai un petit quelque chose à demander au docteur. Ah ben vous tombez bien monsieur Grosso, monsieur Tavernier. Il reste une barre de gâteau. Monsieur Grosso, monsieur Tavernier. Je vous prie de m'excuser, je vous ai dérangé. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Tavernier. Voilà, je vous ai porté les bulbes que je vous ai promis. Ah, ça c'est très gentil d'y avoir pensé, merci beaucoup. Je voulais vous dire aussi, voilà, j'ai comme une plaie de ce côté. Grosso modo, avec le frottement, ça ne veut pas cicatriser. Bon, eh bien, nous allons regarder ça. Ça saigne? À propos, moi ça y est depuis hier matin, et c'est pas trop tôt. Pour Camille, Solange et Colette, ça y est aussi. Je vais pouvoir faire partie du club. Le club des F. F comme femme, vous comprenez? Femme! Ouais, bon, on a compris. C'est même clair comme de l'eau de roche. On est tous pris à la gorge, tu vois? Ah, pour votre reine, il y a un remède extra. Le cataplasme d'oignon cuit. Alors, vous épluchez, vous laissez mijoter environ 15 minutes, et puis vous appliquez tiède. Ah bon? Des oignons tièdes. Ah oui, c'est royal pour faire disparaître les cicatrices. Mais pas nécessaire de poivrer les oignons. Bon, allez, on y va, monsieur. On y va. J'ai oublié de lui dire qu'il n'était pas nécessaire de servir les oignons en tarte à usage. Faut souffrir pour être belle. Je te fais une boisson de paradis. Mao l'utilisait pour son teint. Bon, alors tu m'en donneras deux verres. Mais sans ketchup, s'il te plaît. Je vais vous dire un truc, je les emmerde. Peut-on savoir de qui tu parles? Les parents de Stéphane, les Saint-Émond. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Il paraît que je suis pas assez bien pour leur fils. Comment ça, pas assez bien? Nous, on a les reproductions. Chez eux, c'est les originaux. Ajoute à ça la particule, le yacht à Saint-Tropez, le maître d'hôtel à gants blancs et le super impôt. Et tout ça, ça les rend heureux? Pour le super impôt, j'jurerais pas. Pour le reste, comme des rois. Ah ben moi, plus tard, je m'inscris au parti. M'étonnerait que ce soit celui des modérés. Et Stéphane, qu'est-ce qu'il en pense? Stéphane, il a décidé de pas partir avec eux à Saint-Tropez. Ils l'ont mal pris. Sacro-saint, les vacances, pour eux. Il va se chercher un boulot. Oh, dans Molière aussi, tu sais. Il y a des tas d'embrouilles, mais t'en fais pas. Ça finit toujours bien. Je veux pas le brouiller avec ces vieux. Mais pas question d'entrer par la porte de service. Manquerait plus que ça, la porte de service. Par la grande porte, et sur Germain. On a beau dire, la marette sans Bernadette, ça sera plus ça. Tu sais, pour un père non plus, c'est pas drôle de voir partir sa fille. Et pourtant, c'est bien pour ça qu'on élève ses enfants. Pour l'envol. Et on doit tout faire pour les y préparer. Oh,
on leur faisait une surprise. Bah alors, on prévient plus les copains quand on va se balader? Tiens, attrape. Ça alors? Bah, qu'est-ce qu'on fête aujourd'hui? Ils font l'amour. Qui ça? Bernadette et Stéphane. Mais qu'est-ce que tu en sais? Je les ai vus. Tu sais pourquoi j'ai choisi cette couleur? Pour qu'on voit moins la viande saignée. Allô? Charles? Mais oui, bien sûr. Il y a une grave au moins. Bon, je vais regarder. À tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Ton père, il rentre déjeuner, il a quelque chose d'important à nous annoncer. Il m'a demandé combien nous avions sur notre compte en banque. On a un compte en banque, nous? San Francisco. Vous vous rendez compte? 3 semaines en Californie sur un plateau. Heureusement que celui qui devait y aller s'est malheureusement cassé la jambe. Et c'est sur quoi ce congrès? Ma spécialité, la rate. See California and die. 8 jours de travail, 15 jours de balade. Et nous serons logés chez un médecin, le docteur Miller. Il a des enfants? Oui. 3, dont un de ton âge, Stacy. Et pour moi, il y a quelqu'un de prévu? Gary, 13 ans. Et puis à part ça, une fille de 19 ans, je crois. Oh, I lose my heart in California. En mettant bout à bout tous les titres de chansons, cette petite finira par parler couramment la langue. Et pour les bagages, ça se passe comment? 2 par personne. Et toi? Pas de questions? Moi? Je garderai la maison. Tu veux dire que tu ne viens pas? Bah, je suis engagée au manège. Puis maintenant que j'ai brouillé Stéphane avec ses parents, je peux quand même pas le lâcher. Il a trouvé un boulot de pompiste à Pontoise. Oh shit! Son of a bitch! Et je suppose que tu as l'intention d'héberger Stéphane ici? Bah, je vais quand même pas le laisser à la rue. Mais t'as pensé aux voisins? Les voisins, on les adore, mais on les emmerde. Qui te remplacera au cabinet? Il s'appelle Antoine Delaunay, je lui ai demandé de passer ici demain soir. Après le congrès, nous ferons un petit tour jusque-là. Hollywood, ça te dit quelque chose? J'ai proposé au docteur Delaunay de s'installer à la maison pour lui éviter de rentrer chaque soir à Paris. Et les voisins? Une pure jeune fille avec 2 hommes, qu'est-ce qu'ils vont en penser? Pure. Eh bien, les voisins, on les adore, mais on... Avec vos parents, je ne sais pas ce qui se passe, mais la marée vous sera toujours ouverte. Je n'ai jamais eu de fils, et bien voilà. Et de toute façon, je serai beaucoup plus tranquille en ne laissant pas Bernadette toute seule, parce que vous la connaissez. On ne sait jamais ce qui peut lui passer par la tête. Alors, Bernadette, la maison, je peux compter sur vous? Cécile! Charles. Oh, mais elles sont folles, ces filles. C'est l'Amérique, pas un défilé de mode. Ben, on pourra dire que, grosso modo, tu auras tenu. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Ben, c'est le cadeau pour Madame Miller. Le cadeau, tout ça? Enfin, le sac. J'en ai profité pour mettre quelques affaires dedans, ça aurait été trop bête. Non, non et non! Ça va être super, les grosses. Éclatez-vous un max. Gare au supplément de bagages. Sois raisonnable, toi, hein? D'habitude. Salut, papa. Salut. Au revoir. Au revoir. Baggage from Air France Flight 41 from Paris is now arriving on carousel number 4.
Baggage from Air France, flight 41 from Paris, is now arriving on carousel number 4. Cécile, ta valise. Voitures. Là au moins il y a de la place. Qu'est-ce qu'ils fabriquent ? Miller m'avait pourtant assuré qu'il viendrait nous chercher. Il a peut-être été retardé. Dr. Miller. Ah, how do you do? We are so happy to see you. Appelez-moi Phil. Et moi aussi, je suis ravi de vous voir. Merci. Eh bien... Voilà Claire, je suppose. Oui. C'est Pauline et Cécile. J'ai beaucoup étudié sur les photos. Bienvenue à San Francisco. Merci. Golden Gate, la porte d'or. C'est vrai qu'il y a des requins ? Des quantités. Il y en a beau boucher les trous et mettre des grillages partout. Chaque semaine, les gens se jettent de là. Moi, je choisirais l'eau de ma baignoire. Les veines, un bon somnifère et l'affaire est réglée. C'est encore loin, la maison ? Non, un petit quart d'heure. Here they are. Let's go welcome them. Come. Yeah. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Oh, bien, bien. Et voici Pauline, Madame Moreau. Hello. Claire. Ah, salut. Okay.
part of the relationship. Je pouvais plus dormir. Les odeurs, tout. J'avais la tête qui tournait. Tu crois qu'on verra Sally? Sally? Bah, tu sais bien, la fille des Miller, celle dont on occupe la chambre, la posant et moi. Non, je ne crois pas. Elle n'est pas là en ce moment. C'est dommage, elle avait l'air sympa. Hi, I'm Bernard, the milkman. Hi. French? You're one of the French guests? Oui, c'est moi, Pauline. Do you like ice cream, Pauline? Oui, beaucoup. One chocolate, two strawberry, three. Will that do? Mais moi, je sais pas, il faut demander à Madame Miller. Mrs. Miller. This early in the morning, I'm the boss here. See you tomorrow. Demain. Les ice cream, avant ou après le bain? Après. Very good omelette. With very good bacon. Ah, excellent. Mais un homme qui cuisine met toujours un peu de poésie dans ses plats. Lamartine, Victor Hugo. Lamartine, Victor Hugo, n'importe quoi. Merde alors. Merde alors. But wait, just wait and see. Oh, bravo. Thank you. Hello, Mrs. Miller speaking. Yes, Bernadette. La fille manquante. Mais non, je téléphone pas de la maison. J'ai trouvé une cabine magique. Pour un franc, on appelle le bout du monde aussi longtemps qu'on veut. Alors raconte. Le soleil, la piscine. À vous. Oh bah ici, soleil à part, c'est à peu près la même chose, hein. Oui, c'est ça. On s'éclatera un maximum, tu peux compter sur nous. Nous aussi, on pense bien fort à toi. On t'embrasse tous. À laquelle ressemble Bernadette? À Pauline ou à Claire ou Cécile? À aucune des trois. Ah. Pas une pareille. Quatre filles à caser, impossible de faire un lot. Les soldes, c'est intéressant, mais sans essayage, c'est risqué, hein? Ils m'ont dit que ça avait tendance à s'élargir. Eh oui, c'est que moi aussi j'ai tendance à élargir. Regarde ces boutons. La puberté, hein, j'en ai plein le dos. Ma pauvre chérie, c'est le cas de le dire. Tu m'emmèneras chez le dermatozoïde, hein, en rentrant. Log. Dermatologue. Je le trouve sympa, le docteur Miller. Formidable. Drôle, accueillant, chaleureux. Rien que ça. Et papa,
Je le trouve drôle, chaleureux, accueillant. Plutôt drôle en ce moment. Mais ton père, lui, ce n'est pas la même chose. Je l'aime. On dit ça, mais au fond, on ne se voit plus. On s'entend, en tout cas. Surtout quand on ronfle la nuit. Moi, j'ai jamais ronflé de ma vie. Bon, eh ben voilà. La chemise est coincée dans ton foutu pantalon au rabais, maintenant. Please, pas de dispute devant les enfants. Attends, laisse. Voilà. Ah. Bon, eh ben, si tu n'y vois pas d'inconvénient... Tu vas quand même pas remettre cette horreur. Je vais vous dire une chose, ils savent vivre ici. Il y a une virée prévue pour le Pacifique. Où est Pauline? Pauline, tu es prête? No. Please? No. You like it here, Claire? Je ne comprends rien à ce que vous dites. Estás contente de estar aquí? Sei tu contento de estar aquí? Konnichiwa. Then let me say it to you differently. So we're little down, we're down, say what you want. C'est tellement beau, tellement immense, ça fait presque mal. Je voudrais savoir l'écrire. Tu sais, Stacy, c'est seulement maintenant que j'ai l'impression d'être arrivée en Amérique, tout de suite. Ça a mis du temps, mais maintenant, ça y est, j'y suis. On y est. Dis-moi, c'est comment la France? On y respire bien. Tu viendras? Sûr. Wake it down the low way down. Wake it down the low way down, Sam Tree. Wake it down the low way down. So we're little low, I am some tree. Dis-moi, Stacy, qu'est-ce qui se passe pour ta sœur? So we're little low, I am. Elle est malade. Stacy, vous venez au barbecue? Well,
Summer to Judy. Summer treating low to low. Well, summer to Judy. Summer treating low to low. Please, let me come with you. No, Stacy, it wouldn't help. Yes, it would. I'm sorry, son. But I'd really like to see her. Conduisez-moi jusqu'au chemin.